Bonjour à tous. On s'en souviendra de l'année 2020. Quelle année on a vécu? Et si on essayait de se représenter les 366 jours qui nous séparent du jour de l'an 2020, alors on verrait à quel point la réalité peut rendre pensable l'impensable ou réel l'impensable. Cette épidémie a été évidemment terrible. Pour ceux qui ont perdu un être cher, il y a plusieurs dizaines de milliers des nôtres qui sont partis et certains à qui je pense que nous aimions beaucoup. Il y a la maladie, il y a tous ceux qui ont eu cette épreuve terrible de l'hospitalisation et puis des soins parfois lourds. Il y a les familles, il y a toute l'économie. Toute l'économie de la planète qui a souffert de ce qui s'est passé, avec beaucoup d'entreprises qui ont été menacées, qui sont menacées aujourd'hui, et le soutien formidable que l'État a apporté aux entreprises et aux familles. Tout ça, c'est une saga, la saga de 2020, que nous avons en mémoire et que nous garderons en mémoire longtemps. Et maintenant, nous avons devant nous des défis, et ce sont ces défis qui doivent nous aider à formuler des vœux. Le premier vœu, c'est évidemment que la santé du pays s'améliore, qu'on arrive à vaincre cette épidémie. Et évidemment, le vaccin est un très grand espoir pour beaucoup d'entre nous. Très grand espoir qu'on puisse enfin réouvrir les universités, réouvrir un certain nombre d'activités, réouvrir l'activité des théâtres, l'activité du spectacle vivant, l'activité de la culture. Tout cela est évidemment au cœur de notre règle du vivre ensemble, de notre manière de vivre ensemble. Et puis, ensuite, il faut que nous rebâtissions notre économie. Et si j'ose dire que nous la rebâtissions plus forte qu'elle n'était auparavant, parce que la crise nous a permis de découvrir beaucoup de faiblesses, beaucoup de manques et beaucoup de risques, qui font que probablement la France a devant elle des défis plus importants encore que tous les autres pays européens, nos partenaires qui nous entourent. Et puis, troisièmement, il faut que nous redécouvrions une règle du vivre ensemble qui fasse que, de nouveau, la confiance soit la loi et pas la défiance et pas le doute et pas le soupçon. Que nous puissions nous serrer les coudes pour relever les défis et que nous puissions simplement avoir le sentiment que c'est mieux de vivre ensemble que de vivre les uns contre les autres. Voilà les vœux que je voulais formuler, qu'on recouvre la sécurité et la santé, qu'on puisse de nouveau reconquérir des secteurs d'activité qui ont disparu et que nous réapprenions à vivre ensemble. À ce compte, 2021 sera une bonne année, en tout cas, on n'en doute pas, une meilleure année que l'année 2020 qui se clôt, et à partir de laquelle nous ouvrons la porte d'une année meilleure. Bonne année à tous.